Bon, mais ça fait plaisir de rejouer un peu. Quand je t'ai vu connecté, j'ai dit waouh, il est connecté, je demande direct. Ah, ça bah, fait carrément. Vraiment plaisir de te retrouver. Et il faudrait regarder sur la chaîne à quand on remonte la dernière vidéo où on a joué toi et moi ensemble. Ah, ça doit faire un moment, hein. Ça doit faire plusieurs années, ouais. Eh ben, on n'a qu'une solution, comme dirait l'autre, c'est de gagner, et pas la manifestation, mais il va falloir gagner. Yep. On peut pas. Ah, j'ai la pression. J'ai la pression. Reprise avec la EZGK direct. Avec la EZGK et en live, s'il te plaît. Ah ouais, c'est, là, c'est... Double sanction, on pourra pas la jeter. Ça. C'est ça. Allez. J'ai foi en toi. Ouais. Non, ah, je me suis pas mal réentraîné en 1v1 en plus pour essayer de reprendre le niveau un peu vite. On va voir. Ouais. Alors, tu sauras qu'en plus, si t'as suivi un peu l'actualité de mon côté, que je me suis blessé. Ouais, tu t'es blessé, ouais, j'ai vu un peu. Donc, je suis pas le point fort là pour cette game. Mais on va faire avec. Petit à petit, je retrouve du niveau. Donc... Ouais. Puis là les kinés me font beaucoup travailler sur le poignet. Et là, tout à l'heure, elle me dit, bah, c'est pas mal, là, vous allez pouvoir la tenir, la souris. Ils savent, je le garde sur table. J'ai dit, j'ai un objectif pendant ces vacances. Bah, t'as raison. Ok. T'as raison. Je vais choper les munitions tout là-haut. Ok, je m'occupe du fuel. Et je sais pas. Tu pars sur quoi en termes de commandant? Tu sais pas trop encore? Non, j'ai pas idée. Je vais attendre un peu. Pareil. J'ai un peu de tout. En tout cas, là, je suis parti T2 et je vais faire les M19-10. Ok ? Ça marche. Ouais, j'attends aussi un petit peu, savoir si je pars plus infanterie ou position. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un là, parmi les abonnés, mais je sais pas s'il y a des bavards dans le coin, mais savoir si vous entendez bien Amy Geek ou s'il faut que je rehausse un peu son son. Parce que parfois, moi, j'entends super bien les gens qui jouent. Et après, tu sais, avec OBS... Ouais. La capture vidéo, finalement, je trouve que le son est trop bas pour vous ou trop bas pour moi, donc compliqué quoi. Ah bah là, moi je viens de me battre avec Action depuant 10 minutes, j'arrivais pas à avoir les sons système du truc, mais je comprends pas. En fait, j'avais juste pas coché la case, ouais, enregistré arrivé, le son et les cacher tout loin. J'étais là, ah putain, mais quel con. Parce qu'en fait, il y a deux semaines, j'ai déjà essayé de retourner une vidéo d'un replay, etc. Et j'avais tout fait et j'ai exporté dans Premiere et pas de son. Et là j'étais putain, mais je comprends, je me souviens pourquoi j'ai arrêté. Ah, ça fout la haine, mais tu me forces. C'est ça. Allez, j'ai l'Oka. Je sais plus ce qu'ils avaient en face. Ils avaient, ça se trouve, ils ont deux Oka. Non, c'est un Oka et un. Il a sorti le commandant des Panzer fusillés, Kiki. Alors je crois que c'est celui du Yak Tiger. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah putain, il me prend un revers. Bon, je pense que là c'est bon. J'ai sorti une Vickers. J'essaie de la mettre là-haut pour. Bah, c'est pas mal là, toi. Tout est bien. Tout est bien posté. Yep. Ah, les Panzer fusillés, ils vont me casser les pieds d'une force. Ah, moi j'aime pas. Moi, je trouve que le pire commandant, là, ce qui me fait plus chier, c'est celui avec les grenadiers d'assaut. Ah ouais. Ah ouais. Je déteste cette unité. Bah, ça dépend la faction que t'as au moment où tu les rencontres, quoi. Oula, il y a du monde là. Mais non, j'ai failli ne pas les coucher, s'il te plaît. Ah putain. Merde. J'ai des raccourcis de tricheur sur ma souris, ils sont pas activés. Moi aussi, j'ai des raccourcis de tricheur grâce à Mitty. Ah, mais comme j'ai des boutons en plus sur ma souris, j'ai la retraite en. Mais ça s'est pas activé, il faut que je quitte le jeu, ça va faire chier avec la capture, c'est pas grave. Ah, vas-y, c'est pas grave. Je vais reprendre les vieux réflexes de l'index sur le raccourci clavier. C'est qu'on s'y habitue, hein, parce que j'ai connu ça aussi, et quand tu l'as pas enclenché... Bon, là j'ai dû baquer parce que j'avais trois trucs chez moi. Attends, j'ai plus l'habitude de jouer en parlant. C'est là. Allez, on est pas mal. Il a fui de mon côté. Un
là. Je vais me faire une pharmace, ça t'intéresse? Ouais, bah là j'ai amélioré une unité de médic. Je suis les conseils de la ZGK pour. Hop. Oh, tu sais, faudrait pas trop, ils sont pas terribles. Hein. Je suis en train de caper le fuel là-haut. Ok, je vise le territoire à droite, Kiki. Hop, j'ai mis à mettre ma mitrailleuse ici. Il m'a vu, mais je sais plus si. Ouais, j'annule parce que je crois qu'il a les grenades en plus. L'ennemi fait des grabuges. Il essaie de prendre un de nos points. Hop là. Ok, il est pas mal par là. Ils sont venus à 3 unités là ici. Je me suis fait planquer comme un noobi. Attends, je vais les flanquer par derrière. Ah merde, j'ai pas capé. Pour le coup. Il y a du people. Pas grave, ils vont décamper. Bien joué ça. Pense à backer, il y a beaucoup de monde sur le back. Ouais. Hein, Kiki. Je te conseille de partir. Parce que le problème quand on est si haut, c'est que parfois le retour maison est un peu violent. Nous recevrons bientôt des mille bombes. Hop là. Et bon, ça devrait le faire parce que je vais les coucher normalement. Ouais, ouf, ça va. Un bon sprint, mais... Ah, ça maintient éveillé. Ah là, tu vois, il n'y a rien pouvoir me faire. Les deux sont couchés et j'arrive avec le fire. Est-ce que tu veux que je construise une position de mortier quelque part? J'ai ce qu'il faut en termes de ressources. Après, je sais pas si je prends le... Là, c'est bas, hein, donc pour le moment, le mortier, ouais. Non, c'est bon. Parce qu'on est quand même proche de nos bases. Ah, la grenade. Il y a Akuna qui est venu me chercher, mais... Je n'ai pas peur, mon cher Akuna. Oui, il vient de me chercher, là. Ah, dommage, j'ai pas l'option. Il me met... Je dis avec Amy, il me met... Attention ici. Amy Winehouse. Qui est con. Hop, merci l'ami. Je ne l'avais pas vu. Ah, tu vois les greux? Ouais, ouais. Ouh, ça a fait mal. Ça fait mal. Est-ce que les grenades, elles font plus de mal quand t'es en train de te replier? J'sais ouais, pas, ça, et aussi quand... à un autre moment également, ah, c'est putain. Quand t'es en green cover, tu vois. Bien, ouais. Bien paquet en green cover, là. Ouf. Ils m'ont... Ils m'ont dégommé ma mitrailleuse. Tu te la récup? Je vais... Non, je crois qu'elle est... Non, elle me l'a pas récupérée, je vais aller la récupérer. Ok, j'envoie des troupes au cas où dessus en attendant. Non, mais j'ai mes ingénieurs là qui vont venir. Je vais caper avec mon... J'ai oublié que j'ai fait ça. Un petit sniper qui est venu aussi. Il a fait un snipe? Ah ouais. Non, c'est moi qui ai fait un snipe. Enfin, je le vois aussi. Tiens. C'est bon, t'as réussi à la récup? Ouais, c'est bon, ouais. Je l'ai. J'ai même, je pense, en profiter pour poser un point de fuel. Non. Ah putain. Hop là, comme j'ai pas mal. Oui, je l'ai prise. Mais elle est épique, ça. Bon, bah ça va. Ça se... Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ouais. Thank you.
Il va me balancer la greu là, non? Je vais bouger. Attends, je suis en train de. Je pense qu'il aura pas. Ah, t'as fait snipe aussi, mais c'est bien ça. Du coup, reste bien à cover parce qu'ici, là, vu qu'il a le sien. Ouais. Il y a un truc qui. Attends, j'essaie de les flanquer par là. Attends, je suis en train de le flanquer le snipe là, ici. Oh, bien joué, ça va être bon ça, vas-y. Malheureusement, il l'a couvert. Il y a une. Bah non, il y a une mitrailleuse. Je vais essayer de. Est-ce qu'il y a des. Okay. Monter Kuna, un peu plus t'as haut. Failli me faire perdre mon sniper. Un Kuna qui me raconte sa vie. Construction d'un nouveau poste. Encore une stratégie avec l'adversaire. Ça. Je vais les backer là, ici. Pour me débarrasser de la mitrailleuse. Attention, hein, t'es bien suivi là. Ne back pas surtout, hein. Va à droite ouais. Ou cache-toi. T'as déjà joué au jeu du chien et de la souris, c'est bon. Hein. Je vais faire le tour. Ah putain. Tu back derrière. Non. Ah là, il a pas suivi, dommage. Ah putain. L'idée était bonne. L'ennemi a une de nos sections. Mais les snipes, je gère pas moi. Message reçu et compris. L'ennemi menace un point de capture. Les salauds. Ah. Allez, on va passer en mode véhicule. Ouais, moi aussi j'ai lancé les véhicules. Allez, là, il ramasse bien. Oh punaise, oh bonne mère. Ah, oh, y a une... le premier tir a fait mouche. Hein. J'ai un anti-char quelque part. Je vais le poser là, ici. Faudrait caper en haut. Tu me protèges, hein? Ouais. Putain, il m'a récupéré le flanc droit. Il faut que j'aille le chercher. Je pense qu'il va faire. Est-ce le que t'as tour. De l'anti-char un peu? Ouais, j'ai un canon. Ok. Vous pouvez utiliser des positions de canon de force. Tu l'as pas eu tout à l'heure son snipe? Non, il a backé. Ok. Allez. Je vais essayer d'aller supprimer ces mortiers là-bas. Ah. Oh, attention, mortier. Ouais, oh, était belle cette grenade. Je l'ai vu en direct. Elle m'a réveillé les papilles. Nickel leçon à Merci Zunder. Tu m'as fait plaisir, camarade. On s'en va d'ici. Vous connaissez la manœuvre. Je suis toujours pas. Quelle commande en prendre? Ah là 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 là. Je suis en train de remonter là-haut. On va le faire comme ça. Je vais récupérer déjà mon territoire parce qu'à cause de moi, on a perdu beaucoup de fuel pour pas grand-chose. Oh putain, il est pas allé au bout. Attention là, ouais. J'ai des mortiers. Je vais les flanquer. Ah, t'as récupéré ton canon. Ouais. Je sors un centaure. Je vais essayer de les poursuivre pour éviter que. Ouais. Essayer de le récupérer. Ouais, c'est bon. Bien joué. Je le récupère pour le coup. Ouais, j'y vais. Ah, il y a le sniper. Oh, le snipe était par là. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais.
J'ai fait un T-34, Kiki. Un Classic One. Moi j'ai un Centaure qui arrive. Sans tort et sans reproche, c'est ça? C'est ça. Le fameux. Oh, bien joué l'esquive de la grenade à fusil. C'était pas loin. Je vais essayer de récupérer l'étoile là-haut. Ah, mon centaure, il vient d'arriver. Je refais un peu plus d'infanterie pour le coup. Attention. Je sais pas où ça tombe, mais ça tombe. Fou, j'ai esquivé de justesse. Ok, ça okay. Va être tendu jusqu'au bout. Bon, j'ai choisi un commandant quand même, non? Ouais, moi j'ai pris celui que j'avais pris dans la vidéo là. Comme ça, j'ai le M10 qui est pas trop cher en cas si jamais ils arrivent avec. Allez, ISU 152 qui. Je suis sûr qu'il y a une mitrailleuse dans la maison à tous les coups. Soit on a des coronets, soit on en a pas. Prévisible. Allez. De ouf. Il y a toujours une mitrailleuse dans la maison. Allez. Là. Allez, je jappe un peu en fuel parce que sinon mon projet ne verra jamais le jour. Je vais les séparer. Parce qu'il est hors de question qu'on traite des blobbers. Hop. Je suis en train de... Je t'amène le char aussi, on fait ça... Ouais, bah on fait ça ensemble. Là, je... Ouais, j'ai de l'infanterie qui est en route. Oula. Ça fait du monde, là. Quelle portée ils ont. Un point de capture. Prêt à foutre le boxon, soldat? Prêt pour les ennuis. Déplace-nous vers cette position. Sur la cible. Tire en cours. Alors, elles sont bien ces petites troupes là? Ouais, elles sont bien. Ça... Puis la phosphore, moi j'aime bien. L'ennemi a coupé notre ligne de provision. Ah, c'est. Ouais, c'est celle-ci là qui balance. Ouais. Là. Le phosphore en effet. Oula. Ah non, c'était pas R. Hop là. Bon, j'arrive avec le centaure. Ça va faire le ménage. Attention. Oh merde, ton... putain. Ouais. Non, ça oh, va avec le centaure, c'est bon. Ouais. Vu que lui, il voulait tellement. Oh putain. Je me trompais des couches. Allez. Je ne peux pas. Non, mais. Il y a un anti-char là, ici, donc. Si j'arrive. Il est où mon AT, ouais. Putain, ça va être chaud. Ah non, c'est mort. J'ai essayé la manœuvre. La manœuvre des prenages. Alors la manœuvre des prenages, quand tu la testes à ce moment-là, ça ne marche pas. Tu veux te ridiculiser. C'est parfait. L'ennemi fait des grabuches. Il essaie de prendre un nouveau point. Ah putain. Bon, voilà, j'ai toutes mes troupes à la base. Alors. Moi, je suis en train d'économiser. Bon, après là, ça objectif. Va, on a deux. Oh, j'ai perdu mon sniper! Pourquoi j'ai fait ça? Je suis allé. Eh ouais, j'ai.
Je l'ai avancé comme un débile. Bien joué. C'est parachute du matos. J'ai de quoi construire un beau force, mais je suis pas sûr que ce soit. Peut-être un peu tard. Un beau Cromwell, on va aller là-haut. Allez, je vais avoir le bombardement, donc si t'arrives à me faire la vue quelque part. Ouais. C'est de l'IL2, ça peut faire très mal. Allez, je l'ai fait là. Oh putain, je sais pas si ça va le faire du coup. Oh, regarde, regarde. Oh, il va être bon. Oh, il va être bon. Oh, joli, t'as vu sa ch'touka. Jackpot. Jackpot, mon pote. Attends, je peux faire un anti-char. Fait du bien, ça. Oh putain, il y a du monde, là. T'inquiète, il me reste quelques points de commandement et je te sors l'ISU 152 et au milieu ça va plus mal, ça va plus rigoler. Allez. Est-ce qu'elle est ma mitrailleuse, elle est là. Ça va. Ramène ça à la base, Kiki, si tu peux. Oui, pardon. Je l'ai totalement oublié. Attends, au milieu, ils sont chauds patates, hein. Peut-être pas le temps de le finir celui-là. Non, non, je suis pas sûr, effectivement. Ouais, annule tout, arrête. Parce que du coup, tu vas perdre ta troupe, voilà. Et casse-le. Ce sera toujours mieux que ça vienne de toi que de lui. Emplacement détruit par l'ennemi. Si t'arrivais à me l'immobiliser, t'as pas des cartables ou des choses comme ça. Non. Avec... Oh, j'ai voulu arrêter, il l'a pris quand même, l'arme. Tout ça pour la reperdre. Magnifique. Allez, l'ISU arrive. Fou, 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 c'est chaud. Arriver à ce stade de la game et à avoir si peu de points. Allez. Attention, hein, tiens bon, ouais. Marche arrière toute. Allez, mais qu'est-ce qu'il fabrique, bordel. Bon, on tente tout pour le tout. Oh, magnifique ça. C'est un peu le... Ah putain, il l'a détruit quand même. Ça n'a pas fonctionné. Non, mais des fois, ça marche. Mais des fois, non. Non, c'est pas grave. J'aime l'optimisme. Alors... Bon, on est pas très bien, mon petit Mi. Non, on est moyen bien, là. Ouais, t'as perdu pas mal, toi. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Il essaie de me flanquer, le petit cochon. Hop là, c'est bon, ils ont pris ma MG. Si t'as des canons, je prends. Ouais, ouais, ah, bah y en a un qui arrive sur le milieu. C'est trop long le passage de détonant à perforant, je trouve. Je dis ça aussi parce que ça m'arrange là. Ouais. J'aimerais que ça soit plus rapide. Ah putain, ah merde, 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 mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Ouais. Ah putain. Hey, il a ramassé quand même.
Ouais, je pense que moi aussi j'ai ramassé. Okay, ils ont... J'ai toujours un bombardement possible. J'ai un Firefly. Allez, on va se le faire, on va se le faire. Ah là 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 là. Putain, j'ai du mal, hein. Allez, je vais lui casser son bâtiment. Du moins, c'est ce que je souhaite. Allez, c'est cassé. J'ai cassé le bâtiment. Ah, mais approche un tout petit peu ça, Kiki, tu serais gentil. Ouais. Attention à ta troupe à gauche que t'es en train de perdre. Merci. Attends, ça a sonné chez moi, c'est mon épouse qui rentre. Je mets le jeu au milieu, tu me défends. L'avenir est entre tes mains. L'ennemi menace un point de capture. Ah putain. Forcément, c'est à ce moment-là qu'ils attaquent en masse. Hop, je reviens et c'est la guerre. C'est ça. Hop, ça sent le bombardement sur nos gueules. Oh putain. Ça va. Ça s'est bien passé, tout s'est bien passé. Ah. Ah mais d'accord, il tire pas du tout s'il si est pas... Putain. Punaise. Ça me coûte cher, hein. Allez ouvrir une porte. Il reste 300 points en boche. Une porte dans notre monde. Alors attends, comment je vais faire? Putain, ils ont une masse de véhicules. En plus, j'aurais pu le cartabler, mais bon, j'étais pas devant l'écran, donc c'est pour ça. Alors... C'était bien, mon petit? T'es bien amusé? Ils sont sortis pendant que j'étais chez le kiné. Ouais. Putain, du coup, ils avaient quoi exactement, Kiki? Trop de choses. J'ai vu du tigre, j'ai vu du panthère. Ouais, ils ont masse. Attention ici. Attention, ils t'envoient un bombardement là. Oh là là, c'est dur de lutter. Parce que là ils sont bien équipés. Non. On se dirige vers le territoire ennemi. Oh là 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 là, putain, ce qu'ils ont. Vite avant qu'ils mettent la greue. Le canon, tu l'as encore ou pas? Je sais pas. Allez, le tigre là! Vas-y! Ah! Ça se sortir avec le true sight. Je refais l'IS2. Je vais essayer de le cartabler dans le dos celui-là. Non, on va pas réussir. Il va trop loin. Il s'est barré. Vous avez désormais un nouveau char comète. Ça arrive à choper une étoile. Ouais, je suis en train d'essayer de choper celle du haut là, mais à mon avis, il aura mis une MG. Oh putain! Ok, t'as un char, j'ai un char, faut pas qu'on fasse trop les cons. Non. On a moyen de faire mal. J'ai plus de porte à ouvrir normalement, donc ça devrait aller. Oh non, encore!
Ah putain de MG. Bon, concentrons-nous sur une chose. Mais non! Canon anti-char, expander terminé. J'avais des mortiers, je n'ai plus. Oh, je me suis fait violer pareil, 10 fois pire même. Putain, mais... Oh là là, abusé. Abusé. Alors cette fois, j'ai pas l'excuse de la porte en plus. Là, putain, j'ai merdé. Recule, 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 recule. J'ai fait de la merde, chef. Salut. Ah ouais, ça fait longtemps que t'es pas venu. Il a 18 mois, mon fils. Mais c'est pas grave, il y a jamais de mauvais moment pour l'apprendre. Moi, j'ai pris l'étoile du milieu, un peu par hasard, mais... Ouais, ça fait toujours plaisir. Ouais. Le problème de ce gros balourd de d'ISU 152, c'est que on peut pas enquiller la marche arrière assez vite, quoi. Putain, ils se sont barrés je ne sais pas où. Alors, on va essayer de faire autrement puisque j'arrive pas du tout avec mes chars. Ah, mais là j'ai été tellement imprudent. C'est pas grave, on va oublier cet épisode et on va sortir. Il y a des chars là. Un SU-85. Attention, attention, ils bombardent ici. Hein. Ok. Ok, à gauche, il a verrouillé avec les deux panthères. Ah, il tire là, il a à nouveau une... La section est fichue. Ah putain, qu'est-ce qu'il m'a défracté là. On dégage de là. Attention ici. Je souffre. Ah oh putain de grenade. Putain, c'est beau ce que tu viens de dire, Dark Vador. Il a dit j'ai connu votre chaîne au collège, maintenant l'année prochaine je suis à l'université. Eh ouais. Ça rajeunit pas, mais c'est beau. Non, non, c'est... un gros coup de vieux dans la gueule, mais oh là 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 là, mais je fais n'importe quoi. Attention ici d'ailleurs. Oh putain. Barre-toi plus vite. Ce truc est pas si lourd que ça, mais j'aimerais pas le porter quand même. Ok, bon. Comment qu'on peut faire? Là, j'ai deux comètes là qui vont, qui sont, enfin, j'ai un comète et un deuxième qui est en route. Hop. Oh putain, il a décidé d'arriver par là et de tout me casser. Avec un peu de chance ici, il va. Et là, moi, j'ai mes 3 mines. J'ai peut-être un peu abusé dans les mines aussi. Bon. Je me tente un petit push. Voilà. Sur le côté gauche. Apparemment, il n'y a plus rien pour l'instant. Ok, j'ai perdu mon mortier. La vraie question, c'est qu'est-ce que je perds pas en fait, tu vois. On doit faire quoi?
Quoi, quelle section? Ah, tu vois, toi aussi, t'as les mêmes soucis que moi. Ah ouais, non mais... Ah putain, c'est mes ingénieurs. Il va me refaire un assaut, ça veut dire. J'essaie de caper en haut. Hop. Je vais aller retourner, hein, bien sûr, chercher l'étoile. Il bombarde à nouveau. Ouais. C'est l'aviation. Oh, elle fait mal à ton char. Hein. Pense à reculer. J'essaie de détruire leur truc d'essence aussi là, éviter qu'ils nous... Putain, faudrait détruire cette merde là. J'attends ça quoi. C'est trop calme. C'est bien ce que t'as fait là, tu les obliges à bouger. Bah ouais, ouvrir des nouveaux flancs, c'est... C'est pas si dur. C'est pas toi qui t'es fait péter deux chars trop easy. Allez! Ouais, je vais le chercher loin là. Oh, attention, faut pas être trop gourmand. Qu'est-ce que c'est ça ici? Hop. Le chemin du retour va être long. On est chaud, prêt. Accélère, je veux qu'il sache qu'on arrive. Si tu peux m'aider là, franchement. Ouais, je j'arrive. Prends. Et voilà la pièce maîtresse de Manu. C'est l'heure d'y aller. Il va rencontrer mon comète sur son chemin du retour. Allez, je suis sûr qu'on peut l'avoir. S'il n'y a pas grand chose. Oui. Attention à pas tomber. Putain. Bien joué ça, Kiki. Eh, t'as vu? Ça revient. Équipage Comet en attente d'ordre. Chauffe les moteurs. Hop là. Ah, ils prennent là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on peut y aller juste avec ça? On va y aller. Là, ils m'ont pulvérisé mon arme ou... Oh non, ils vont me refaire la même. Mais non, non. Stop un peu les bêtises. Je sais qu'on dit jamais 203, mais quand même. Allez, non. C'est chaud. Oh.
Oh oh. Ça pue. Ça pue pour mes chars. J'essaie de te bombarder celui-là, je te garantis rien. Ou s'il s'en sort lui. Ouh, j'en ai sauvé un. Allez. Chérie, je rêve où il a dit Neko. Attends, il veut pas lui tirer dessus. Non mais c'est quoi cette blague? Au bout d'un moment, faut porter ses coronesses, hein. Ah, je laisse des trucs en arrière à la con, là, alors que ça pourrait servir. Comme quoi, la bombe atomique? Mais non, arrête. C'est surfait. Oh mon dieu, il est en train de faire un demi-tour. C'est carré. Attention, ici, il y a du monde, hein. Désormais un nouveau char comète. Allez, on y va. Ça c'est tout neuf. Il est où l'autre? Il est ici. Amélioration faite, bien pratique. Allez, on y va. L'ennemi n'a plus que 200 points. Allez, oust. Oust. Allez, 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 allez. Ah, voilà, quand on fait la vue, là, ça calme maintenant. Allez, ma prochaine étape, c'est... Bien joué, ce que tu fais. Oh, il est beau, il est beau, il est beau. Ouh, bien joué. Allez, deuxième blindé lourd, là, ici. Bien à l'abandon, je le laisse pas le réparer. Tire ciblé dessus. Ouais. Profite de la cohue grâce à toi. Ah, vas-y, vas-y, poursuis-moi. Vas-y, viens me chercher. Vas-y, 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 vas-y. Tente ta chance. Allez, Mii, allez, allez. Ah, c'est le moral de chips. Est-ce que t'as douté de la victoire, toi? Et tu sais quoi, je vais l'appeler en dédicace à... c'est pas... Qui c'est ça. Eh ben, jolie partie. Je vais l'appeler... comment ça s'appelle? Odor. Parce que vu que j'ai ouvert la porte... pas mal, pas mal. Fou. Eh B. Noobs. Spam of kiss. My god. Écoute, c'était bon, hein, parce que franchement, j'avais tellement fait de la merde. Ouais, j'ai pas joué. Jouer en parlant, j'avais un peu oublié comment c'était. C'était pas le top du game, hein, mais bon. Elle était horrible. Si jamais tu publies ça, sache s'il y a des gens qui tombent sur ta chaîne et qui voient cette vidéo, ce n'est pas le reflet de ce potentiel de ce jeu et de ce qu'on est capable de faire à la UZGK. Ouais. Je vous rappelle que je suis en... rééducation du poignet. Rééducation du poignet, rééducation par le jeu. Hein. On va bien se cacher derrière ça. C'est médical. Il y a eu un moment épique parce que c'est quand j'ai dit ouais, j'ai plus de porte à ouvrir et que je me fais défoncer. Mais ah ouais. Comme un ouf. Ah, c'était violent là pour l'ego, ça faisait mal. Ah, mais on a bien. Ouais. C'est dommage que ce soit parti, on commençait juste à s'amuser.
Non, c'était non, chouette. Écoute, ouais. Ils étaient pas très forts en face non plus pourtant, mais ils nous ont bien tenu chaud quand non, même. Non, bah ouais. Ça va, ça va. Bah moi, j'ai oublié. Et puis, c'est vrai que quand t'as plus l'habitude de jouer en parlant et en machin, bon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, ça, ouais, ça puis... va, ça va, ça va. Bon, après, franchement, ça m'a fait tellement plaisir de rejouer avec toi. Carrément, je suis carrément. Quand même content qu'on ait gagné, parce que on était quand même parti pour la perdre. Ouais, on était quand même parti pas trop bien, quoi. Mais sur la fin, je me suis un peu repris avec les chars, avec les comètes et tout. Bon, je me suis... Ouais, t'as vu, les comètes, plus solides, quand même. T'as mieux encaissé le choc. Ouais. Et tu as mieux c'est parce qu'en les... fait, en général, j'oublie de passer en tactique marteau. Et après, je me retrouve sous la pression des chars ennemis. Et donc, je dois sortir des chars pour répondre et j'ai plus le temps. Donc, mais là, j'ai sorti un peu plus d'infanterie aussi. Effectivement, c'était plus agréable à jouer parce que quand j'avais de l'infanterie en train de se refaire, j'avais encore de l'infanterie sur le terrain. Parce qu'en général, j'entre toujours à un moment où j'ai toute mon infanterie qui est en train d'être en renfort à la base. Et donc, pendant ce temps-là, je perds du terrain. Et donc, après, je perds des ressources et je galère. Et au fur et à mesure, en général, je gère bien le début de game. Ouais. Et puis après au mid game comme j'ai plus assez d'infanterie, je me fais dépasser par l'infanterie et je perds du terrain. Donc après je me fais dépasser par les véhicules et je prends du retard petit à petit. Et au final je me suis dit, c'est bon, c'est tranquille. Et puis en fait après 20 minutes de jeu, les 15 minutes suivantes je souffre de ouf parce que voilà. Mais bon, non, ça m'a fait très plaisir d'en faire une partie comme ça. Ouais, franchement, moi aussi. Antime. N'hésite pas. Hein. Je la prochaine fois que je passe. Live, même quand j'en fais pas, tu viens, tu tapes à la porte. Carrément. et du coup, je t'ouvrirai. Mais là, j'avoue que c'est moi qui a failli faire basculer la game dans le mauvais sens. Ah bon, moi, je fais pas mal de conneries aussi, donc ça va. Parce qu'en fait, tu sais, l'ISU 152, faut vraiment le jouer avec un SU 85 qui te fait la vue. Et faut pas y aller en mode warrior. Et faut faire ce que j'ai fait à la fin. En plus, sur Poche de Minsk, t'as quand même, dans la forêt, t'as quand même pas trop de visibilité. À part vraiment au mid, mais tu peux être flanqué rapide. C'est ce qu'il faut, c'est avoir des. Ce que j'ai fait qu'à la fin. J'ai fait les bataillons disciplinaires, comme ça, ça le dissuade d'approcher, tu vois. Parce que... Ouais, il sait qu'il y a des cartables qui peuvent arriver. Le bon combo, c'était ça, c'était de les coucher avec les deux Maximes et puis de dissuader le tigre, par exemple, de me foncer dessus comme ils ont fait pour le deuxième char, là. Et d'avoir la vue grâce au SU-85 pour que l'ISU puisse taper, que ce soit l'infanterie ou les chars. Voilà. Mais malheureusement, j'ai tardé avant de prendre cette après le temps de prendre le pli. Voilà, c'est ça, des fois, il faut un peu s'adapter. C'était sympa, Emilien, hein, franchement. La bise à toi et puis à bientôt. Reviens-nous plus souvent. Hein. Ça marche. Entre deux photos, Tu fais une petite pause avec nous. Avec plaisir. Salut. Allez, ciao, bye bye les kiki, la bise. Je vais arrêter le live également. On se voit une prochaine fois. Ciao, ciao.